appuie en raison de la persécution. La persécution parce qu'on prêche la parole, la vérité de l'évangile. Et notez, ouais, à cause de la bonne nouvelle ou recevoir, qu'on y a là, c'est à cause de prêcher. À cause de prêcher la bonne nouvelle. Jean 15, verset 18 à 22. Mais pour qui ça a persécuté? Jean 15, verset 18 à 22. Oui. Viens du bois avec moi, s'il vous plaît. Tout le monde capte. Oui, dans Jean 15, 18 à 22. Verset 18 à 22. Oui. Est-ce que vous allez pour nos pasteurs? Oui, oui. On va aller. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Attendez bien. On nous prend ça, nous, monsieur. Yes, parce que tu as les auditeurs, les téléspectateurs et les amis qui vont poser des questions. Parce qu'on va on poser des questions. Oui. Dans verset 18, ça dit, pasteur. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Le monde, ça, je dis, le monde social. Oui. La société. Ouais, la société. Le monde, ça, je dis, la société. Oui. Parce que les papiers vont parler là. Non, les papiers vont parler là. Et dans le cosmos. Non. Et le Koumélé. Exactement. C'est la terre habitée. La terre habitée. Par contre, c'est là. Et le Koumélé, la terre habitée. C'est le monde. Oui. La société habitée. La société. Vous êtes. Oui, votre entourage. Votre entourage. Environnement. Sachez qu'il m'a haï. Avant vous. Avant vous. Ah, monsieur, ça fait clair. Ah. Ça veut dire ou pas premier vous. Et à qui ça parle là? Vous, à qui ça parle là? La parole à disciple. À disciple, mon cap suivre lui. La parole à disciple. Si le monde vous hait. Mm-hmm. Sachez qu'il m'a haï avant vous. Avant vous. Ça veut dire, vous n'êtes pas le premier. Non, je ne suis pas le premier. Je ne suis pas le premier. Donc ça, pour qui ça aura eu? Parce que Jésus dit, sois assuré à cette barre là. Mm-hmm. Son assurance, son fermeté. Son fermeté pour pas troubler. Son fermeté pour pas négocier. Pour pas négocier. Par contre, c'est clair. Amen, amen. Son fermeté pour pas négocier. Il dit, sachez bien qu'il m'a haï avant vous. Avant vous, oui. Alors, on a dit? Si vous étiez du monde. Si oui, nous avons parlé de ça. Si vous étiez du monde. Ça, du monde, ça veut dire. Si vous étiez du monde, si vous pratiquiez. Bien. Si vous étiez comme eux. Comme eux. Ça l'a fait, ou t'as fait le tout. Soutenant mi temps, yo, même j'en veux, yo. Hein? Le monde aimerait ce qui est à lui. Aïe, aïe, aïe. Le monde l'a apprémé, yo. Il t'a apprémé, soutenant son loge, même j'en veux, yo. Yo t'a apprémé, yo. Sous tes pédérastes, même j'ai avec eux, yo t'a prémé. Sous tes prostituées, même j'ai avec eux, yo t'a prémé. Ah, mais parce que vous n'êtes pas. Mais parce que. Vous n'êtes pas du monde. Mais parce que vous n'êtes pas du monde. Amen. Bien. Amen. Amen. Jean 15, verset 18. Mm-hmm. À 22. Mais parce que vous n'êtes pas du monde. Vous n'êtes pas du monde, ça veut dire. Vous ne pratiquez. Bah. Ou pas pratiquer même zéba avec yo. Parce que vous n'êtes pas du monde. Oui. C'est-à-dire que vous ne pratiquez pas les mêmes œuvres que et que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est-à-dire, alléluia. C'est-à-dire nous étions de leur nombre et que je vous ai choisi. Nous étions de leur nombre. Nous comme de la nombre. Paul et Éphésiens. Oui, nous étions de leur nombre et que je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Pas oublié. Les gens qui choisissent nous, et l'autre, et bien, oui, chérie, chérie, non. Mais parce qu'ils nous répondent. Oui, ils nous répondent. Si on appelle qui fait, moi, répondre à l'appel, ou moi, on ne répond pas. Donc, il m'a choisi. Il m'a choisi. Mais l'un d'eux, je vous ai choisi. C'est nous tous qui étions choisis. C'est nous toutes qui choisissons. Qui choisissons. Nous toutes qui choisissons. Mais qui choisissons par répondre. Qui choisissons par répondre. Parce que, pour nous faire et amis des gens, je connais que, bon Dieu, pas sauver au sang où. Non, non. Il va sauver. Il va sauver au sang où. Mm. Et il y a un texte même qui dit, Jésus dit, si je ne suis pas venu dans le monde,
nous pas gagne excuse de péché nous. Oui. Et n'a jamais c'est pas fini. C'est pas fini. Mais plus qu'il vini, vous n'aurez aucune excuse de vos péchés. Oui. Ça montre que lui vini pour tout le monde. Tout le monde, le monde. Il a donné son fils. Donc, il est question, on a toujours pour le pasteur. Oui. Verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Yes. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Yes. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Monsieur, est-ce que Jésus d'accord? Jésus enseigné là, vous êtes persécuté. Oui. Et l'enseigner peut persécuter nous. L'enseigner? Pas échappatoire. Pas échappatoire là. Donc, son monde ou pas d'accord persécution à cause de la parole, à cause du nom de Jésus, ou pas dans l'évangile. Non, ne vous pas d'accord, c'est quitter ça, quitter mouvement. Ou pas d'accord, on a mouvement. On a mouvement. Et si on a mouvement, conseil Gaba ou quitter. Quitter mouvement, à jouer la vie ou. A fait tout ce qu'on n'est pas abondé. Et puis, voilà, on fait. Al fait. Ok? Toujours dans verset 21, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ils ont gardé ma parole. Mm-hmm. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Oui. Jésus dit si. Je t'ai gardé parole, moi. Je t'ai gardé pour là tout. Qui parle? Et pas Paul, et pas Guillaume. Ça, Jésus va vous prêcher. Exactement, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Soit pour te aller où est-ce que ou même pas la bonne nouvelle là, on n'y a pas Jésus. C'est où est-ce que Jésus dit si vous êtes gardé, moi, vous êtes respecté, vous êtes respecté. Vous êtes respecté tout. Mais puisque vous êtes persécuté, vous êtes persécuté. Non, mais vous êtes persécuté. C'est-à-dire que c'est Jésus qui a continué à persécuter. Oui, Jésus. Parce que Jésus n'est pas là. Ils ont joint moi à la place de Jésus. Oui. Il a passé rail sur moi. Il n'y a pas qu'à monter dans le ciel là. Il n'y a pas qu'à monter dans le ciel là pour dire Jésus. Mais c'est moi qui joint. Il n'y a pas capable. C'est moi. Même les messieurs qui parlent préparer guillotine pour chrétiens. C'est Jésus qui a mis la guillotine. C'est Jésus qui a mis la guillotine. Non. Parce que c'est Jésus qui a mis la guillotine. Oui. Et toute fréquence m'a fait sous le Jésus. Tout tombe diable, plongé diable. Tombe diable, plongé diable. La Bible dit qu'il n'y a pas besoin de diable. Pas besoin de diable. Les diables sont gros mal chez ça en dedans. Oui, un virus lié. Diables sont virus liés. Et gala, l'homme dit ça, mon gars, c'est vite diable. Mon qui tue le diable. Il est fâché. Donc, puisque vous n'avez pas qu'à joindre Jésus, Jésus c'est grand vainqueur. Jésus est en haut dans les cieux. Donc, Jésus qui quitte nous sur la terre pour nous continuer par mettre ça à la volée. Oui. Donc, là, on veut nous, il y a passé rail là. Passé rail là. Et Jésus-Christ, la grande persécution, c'est plaisir pour le croiser bras. Pour qu'il y ait passé rail là sur nous. Parce que ça ne va faire rien. Et ça ne va pas faire nous rien tout parce qu'on n'a plus besoin de droite. Oui, droite. Et puis, il y a passé rail là sur nous, papa. Dans la tête, c'est Jésus. Sous Jésus, il y a passé rail. Sous Jésus, il y a passé. Ou parce que Jésus a dit Sol. Pourquoi me persécutes-tu? Sur la route de Damas. Alléluia. On a le verset. Ok, dans verset 21. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Vous voyez? Où est-ce que c'est là? Ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. Vous, ça, c'est disciples. D'ici premier siècle, oui. Disciple dans le siècle à venir. Oui. Maintenant, moi, je suis un disciple de Christ. Oui. Comme toi, tu l'es. Oui, avec Jésus. Voilà. Mm-hmm. Donc, il dit que ils vous feront toutes ces choses. À cause de mon nom. Ces choses, ça, ils l'ont maltraité. Oui. C'est tout. Il y a persécution. En persécution, là. Bon, pas quel bagarre. Oui. Bah, infini. C'est pas défini. C'est voilà, on a une variété infinie, la caille pour faire mal. Pour faire mal avec les démons manipulés par des démons gouvernés. Oh. Pour faire mal. T'as dit bien? Ça dit? Oui. Il dit parce qu'ils ne me connaissent, parce
qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Oui. C'est-à-dire que Jésus, tout en parle, on a parlé, de trois groupes de personnes là. Oui. Ou même comme disciple. Lui-même. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas celui. Ils ne connaissent pas celui. C'est lui, qui m'a envoyé. Qui m'a envoyé. Ma. Mais pour je suis. Oui. Moi. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Où est ça en autre personne? Oui. Celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire que où est son père? Son père. Dieu. Dieu le père qui l'a envoyé. Il n'y a pas contre mon Dieu. C'est-à-dire que si tu as contre mon Dieu, ou tu as connu Jésus-Christ. Amen. Et si tu as connu Jésus-Christ, ou tu as connu. Amen, oui. Amen. C'est ça le texte là. Oui, exactement. Très clair. Bah, qu'on a n'importe exigence qu'on a sur le texte là. Si et seulement si. N'importe exigence ou capable suivre sur le texte, ouais, si c'est menti là-bas. Non, verset 22, ça dit. Et si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, yeah. Ils n'auraient pas de péché. Si m'a venu, si m'a et m'a annoncé au éternel vivre pas bon, il va avoir de péché. Amen, oui. Et mais maintenant, le monde, il veut dire, le monde n'a aucune excuse de péché. Non, pas aucune excuse. Le monde a fait saleté. Pas d'échappatoire. Le monde a fait démagogie. La Bible a dit pas d'excuse de péché. Pas d'échappatoire. C'est nous tendre la parole. Pas de route. Mais c'est méchanceté à nous choisir. Il n'aurait pas de péché si je pas devenu ou pas de péché. Pour qui ça? Texte a dit, Jésus a effacé l'acte dans les ordres de nos 14 ans. Oui. Dans les ordres de nos condamnés et qui subsistait contre nous, il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement spectacle en profondeur de la croix. Par la croix. Jésus a fait la provision, a fait la provision de la croix pour nous, oui. De toutes les générations. Exactement. Donc, si que ou pas avancé par la foi pour venir prendre provision sur la croix de Christ, donc on n'y a là pas d'excuse de péché. Pas d'excuse. D'après moi, toutes les amis ont bien saisi. Et celui qui me haït, celui qui me hait. Bon, nous traversons là dans le verset. Celui qui me hait est aussi mon Père. Aïe, aïe, aïe. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon Père. Non, mais sur haï, Jésus-Christ haï, papa, n'est pas mon papa. Mes amis, bon, salut. Qui sommes-nous? Nous voulons tous chrétiens qui attendent dans le monde, si nous prenons grand, pile chrétiens qui attendent nous là. Certainement, nous voulons faire enseignement. C'est pour comprendre persécution, son mal normal pour chrétien. Son mal normal, dès pour parler dans le ciel, persécution, son mal normal. Au contraire, s'il pas venu, c'est pour demander côté. S'il pas venu et où t'as connu au droit, faut t'as connu au droit, c'est pour demander côté. Non, là, non. Est-ce que nous n'avons droit? Nous pas n'avons droit encore. Nous n'avons soutenu Jésus. Soutenu Jésus. Oui. Soit prêcher la parole. Ou sûr que c'est la parole à prêcher. Ah, là. C'est leur prêcher la parole selon Christ. Pas de maman, pas de papa, pas de frère, pas de soeur. Et soit dans Luc 14, ou après, ou quand il y a une persécution encore. Maman Caraïbe, papa Caraïbe. Ou quand il y a pile de difficultés, mais c'est dans la parole, oui. Luc 14, tout le monde. Qu'est-ce que la Bible nous apprend? Qu'est-ce que la Bible nous? Luc 14, verset 25. Luc 14, 25. Ça dit De grandes foules. Faisaient route avec Jésus. Yes. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère. Sans me préférer à son père. Oui, à son père. À sa mère. À sa femme. À sa femme.
à ses enfants. Pour aimer Jésus, passez madame. Passez madame. À ses enfants. À ses enfants. À ses frères. À ses frères. Et à ses sœurs. L'Éternel. Jésus-Christ, regarde le texte. Non? Amen. Oui. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, okay, à sa mère, à sa femme. Sans me préférer, Oui, viens avant, premier. Jésus premier. Oui, tout reste après. Si quelqu'un. Si quelqu'un, oui. Oui, à sa femme. À sa femme. À ses enfants, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie. Oh, alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Et même à sa propre vie. À sa propre vie. Alléluia. 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 Et ça fait la vie de toute l'humanité. Monsieur prochainement, la travail pour anglais, autant pour espagnol, autant de nous. Même à sa propre vie. Oui. Jésus dit. Il ne peut être. Il ne peut être mon disciple. Mais conditions fondamentales. Ou pas un disciple, moi. C'est-à-dire que si pour marcher derrière Jésus, il faut maman, papa, frère, soeur, petit ou mal, ou madame, ou derrière. Derrière. Et Jésus pour devant. Jésus devant. C'est-à-dire que si vous venez perdre petit, et vous perdez petit, vous perdez Jésus. Ah, si vous venez prendre Jésus. C'est pour ma papa, maman, frère, soeur, petit, tout passé. Et même pour vivre. Même pour vivre. Vie physique là. Vie physique. Parce que Jésus dit, il n'y a pas qu'à tuer quoi ça. Mais il n'y a pas qu'à détruire, il n'y a pas qu'à tuer un homme. Jésus dit, pas personne qui a tué quoi ça, mais il n'y a pas qu'à détruire un homme. Il n'y a pas qu'à tuer un homme. Parce que Badou, c'est pas quoi ça dans vous. Les persécutions sont venues. Les persécutions sont venues. Ou à venir, à négocier. Comme négocier.